Lisons la parole de Dieu. J'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles.
On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, là à la colère et riche et plein de bonté. L'Éternel est beau envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est ton règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient ceux qui tombent, tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espère en toi et tu leur donnes la nourriture à son temps. Amen. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend les cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que tout chef bénisse son nom à toujours et à perpétuité. Amen. Tu es digne, tu es digne, Jésus, digne de recevoir la gloire. Tu es digne, mon roi, tu es digne, Jésus, digne de recevoir. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, Jésus, digne de recevoir la gloire. Tu es digne, mon roi, tu es digne, tu es digne de recevoir la gloire. De toi nous vient la guérison, Seigneur Jésus, qui est semblable à toi, qui est digne, Jésus, qui est digne, moi, qui est digne de recevoir, qui est digne, qui est digne, qui est digne, Jésus, qui est digne de recevoir, qui est digne. Jésus, tu es digne, moi, tu es digne de recevoir. Toi, de toi nous vient la délivrance. Seigneur Jésus, qui est semblable à toi, tu es digne, moi, tu es digne. Jésus, tu es digne de recevoir. Toi, tu es digne, tu es digne, Jésus. De recevoir la gloire, tu es digne, moi. Et je suis, tu es digne, de recevoir la gloire, tu es digne. Et je suis, tu es digne, de recevoir la gloire. Je suis, tu es digne, moi. De recevoir la gloire, de toi nous vient les bénédictions. Seigneur Jésus, qui est semblable, qui est digne, moi, qui est digne, Jésus, digne de recevoir, qui est digne, qui est digne, digne Jésus. Digne de recevoir la gloire, qui est digne, moi, Jésus. Père, tu es digne, mon sauveur. Tu es digne de recevoir toute la gloire et l'honneur qui vient, Père Tout-Puissant, du cœur de ton peuple, mon roi. Tu le mérites, mon bien-aimé Seigneur et sauveur. Parce que réellement, tu as été le seul foulé au pressoir, mon roi.
Oh Dieu, tu as été frappé par la colère de Dieu. Tu as tout porté pour nous, mon sauveur béni. En retour, tu reçois, tu devras recevoir la gloire, la reconnaissance de ton peuple, mon roi. Nous sommes de ceux-là qui ont vraiment reconnu ce que tu as fait pour nous, Père. Nous te disons du fin fond de notre cœur, vraiment merci, Père. Nous ne pourrons pas nous lasser de toi, mon bien-aimé Père Dieu, de te servir encore davantage, mon roi, de dire encore beaucoup merci du fin fond de notre cœur, mon bien-aimé Père Seigneur, Dieu, notre Dieu, pour tout ce que tu fais pour nous, Père, pour ce que tu es en train de pouvoir faire, mon roi, tout ce que tu as accompli, mon bien-aimé Père Saint Dieu. Nous sommes vraiment un peuple qui doit être dans la paix, bien-aimé Père Saint Dieu, pour ce que tu as fait, Seigneur. Oh, tu as vraiment fait des grandes choses, mon roi, que même l'œil ne peut pas voir, mon bien-aimé Père Saint, mais que tu as manifesté avec une telle perfection, Seigneur. Mon âme te loue encore aujourd'hui. Merci vraiment pour ces instants que tu nous donnes, Père Dieu. Pour nous, c'est une grâce, mon bien-aimé Père Saint Dieu, de pouvoir nous retrouver ensemble en ces lieux, Père Dieu. Nous qui t'avons reçu, mon bien-aimé Père Saint Dieu, nous qui croyons vraiment en ton Saint-Nom, mon roi, nous avons ce désir aussi profond, Seigneur Dieu, dans ces temps où nous sommes, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, de te rendre toujours un culte qui te soit vraiment agréable, mon roi, et du fin fond de notre cœur, Père Saint-Dieu, nous voulons te donner ce que toi, tu mérites, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, mais vraiment un amour parfait, bien-aimé Père Saint-Dieu, une reconnaissance parfaite, mon roi, du fin fond de notre cœur, mon Seigneur, sois donc béni et sois donc glorifié, Seigneur. Tu ne peux pas mendier l'adoration, tu ne peux pas mendier, Père du puissant Dieu, l'amour, mon roi, parce que tu le mérites, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Il n'y a qu'un seul sauveur, mon roi. C'est toi que nous reconnaissons, mon bien-aimé Seigneur. Tu es merveilleux, Père. Gloire et louange et honneur à toi pour la grâce que nous accordez, bien-aimé Père Saint-Dieu. Père, tu as eu compassion de nous, bien-aimé Père du puissant. Tu nous as accordé la miséricorde, bien-aimé Père du puissant. Béni soit ton Saint-Nom en ce temps. Merci pour le chant, merci pour le cantique, merci pour l'adoration, merci aussi pour le psaume, merci pour l'amour qui s'élance vers toi. Béni sois-tu encore en ce soir, mon sauveur. Sois béni, sois glorifié pour tout ton peuple, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Ceux qui sont de l'un comme de près, qui sont aussi en connexion dans différents endroits, nous pensons à eux, nous prions pour eux, Seigneur. Seigneur, que tu sois avec nous. Nous t'avons ainsi prié, mon Père, dans le nom précieux, merveilleux, Seigneur et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur soit vraiment béni. Vous pouvez vous asseoir. Nous lui disons encore merci du fond au fond de notre cœur. Et chaque jour qu'il nous donne, c'est vraiment un privilège, une occasion où nous pouvons réellement aussi lui exprimer de la reconnaissance. Nous le remercions vraiment pour tout rassemblement, pour tout moment qu'il nous donne. Nous voulons vraiment le mettre aussi à profit. Nous prions qu'il nous aide. Nous prions qu'il nous secoue encore davantage pour que réellement nous arrivions à pouvoir tenir ferme, parce que nous avons besoin de cela. En fait, que chaque jour que nous avançons avec le Seigneur, notre zèle et notre amour augmentent encore davantage. Et surtout beaucoup plus l'amour pour lui, l'amour pour sa parole, et l'amour effectivement aussi dans nos cœurs aussi, les uns envers les autres. C'est ce que le Seigneur, notre Dieu, demande, parce qu'il l'a dit. C'est si tous connaîtront que vous êtes vraiment mes disciples, si vous avez donc l'amour les uns pour les autres. Nous lui disons vraiment merci de ce qu'il a eu à pouvoir aussi déverser son amour dans notre cœur, pour que nous puissions vraiment aussi nous aimer, vraiment comme il a dit. Nous prions pour cela ardemment les uns les autres. Si vraiment nous pouvons arriver à cela, quel bonheur ce sera de pouvoir réellement aussi servir notre Dieu. Et cela est possible parce que le Seigneur l'a déjà fait. Il a fait cela, il a eu à pouvoir nous accorder ce privilège et cette grâce de pouvoir vraiment avoir l'amour divin dans notre cœur, parce que c'est la nature divine que le Seigneur nous a accordé la grâce de pouvoir avoir. Cela est aussi à notre portée parce qu'il nous l'a dit, que tout était donc accompli. Que Dieu bénisse chacun de vous. Amen. Ma prière est que le Seigneur, notre Dieu, vraiment remplisse chacun de vous tous. C'est pour ça que je prie et je cherche sa face qui m'accorde cette grâce. Si vous voulez, veux moi qui nous aide à pouvoir trouver un temps où toute l'assemblée entière nous reçoit la prière pour que le Seigneur vraiment nous remplisse davantage. Nous voulons cela, mon frère et ma soeur. J'ai dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Servir Dieu n'est pas seulement venir au sassier et puis on se dit non,
c'est qu'on doit être actif. Il faut vraiment qu'on puisse avoir le temps où nous nous tenons dans sa présence, rien que vraiment lui demander cette grâce, et vraiment faire ce sacrifice aussi. Hein. Pendant un moment, nous restons dans la prière, nous restons des jours s'il faut, mais que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde cette grâce de pouvoir. Là, je demande à ceux qui ont les désirs. Je ne veux pas que les gens viennent simplement, bon, puis pas commencer à dire, ah, on ne voit rien. Je ne veux pas de personnes comme ça. Je veux des gens qui viennent, même si on doit passer un mois, même s'il faut passer 6 mois, peu importe. Moi, je veux des hommes et des femmes qui ont les désirs de Dieu. Et comme je l'ai toujours eu à pouvoir les dire, je le répéterai encore, les murmures, les plaintes et tout ça, ce n'est pas la nature d'un fils de Dieu. Ça ne pourra jamais être la nature d'une fille de Dieu. Un fils de Dieu, une fille de Dieu, il ne se plaint pas. Il ne murmure pas. Quand on murmure, on se plaint, on a la nature du diable. C'est-à-dire la nature du serpent ancien, la nature de Satan. Et les démons sont dans la personne, en fait. La personne qui murmure et qui se plaint tout le temps, il n'y a pas de Dieu là-dessus, dans cette personne. Donc nous devons comprendre qu'effectivement, que nous sommes donc au service du Seigneur, l'armée de Dieu. Et, vous savez, quand il a eu à pouvoir demander à ses disciples d'aller attendre jusqu'à... Il n'aura pas dit 2 jours, 3 jours. Ils ne se sont jamais plaints. Ils sont partis là-bas et en étant là-bas, mais si un jour on ne voit rien, il a dit d'attendre. Donc notre problème, c'est d'attendre, de prier, de prier. C'est merveilleux, hein? Et jusqu'à ce que, et quand il dit que c'est ça le temps, alors ça descend. C'est comme ça que, vous savez, les enfants de Dieu, les fils et les filles de Dieu sont des violents. Pas comme les gens qui ont toujours la bouche, qui parlent à gauche et à droite et qui ne font absolument rien. Ce qu'il faut, effectivement, c'est être... un homme de caractère, une femme de caractère, et qui sait ce qu'il faut. C'est comme cela que Dieu va agir, effectivement. Que Dieu vous bénisse. Dans Matthieu, au chapitre 24, nous allons prendre l'écriture. Matthieu 24, nous lisons rapidement cela. Vous désirez vraiment qu'on passe un temps comme cela? Je demande bien aux fils et filles de Dieu, hein, qui ont ces désirs. Qui nous... De toute façon, c'est quand même un désir dans notre cœur. Quel beau jour c'est de pouvoir chercher la face de Dieu et tous ensemble, mais d'un commun accord. Vraiment, j'ai prié, Seigneur. Je ne veux pas que tout le monde dise non. Je veux vraiment que ceux-là, qui, quand ils viennent avec un esprit paisible, nous restons, alors Dieu va faire de grandes choses. C'est la détermination du cœur, effectivement, aussi. C'est pas comme cela dit, mais nous ne voyons rien, nous ne sentons rien. C'est pas de ce que nous voyons rien, nous voyons, nous ne sentons rien que nous avons besoin. Nous avons besoin de ces questions. Seigneur, nous avons soif. Et s'il faut même rester pendant 4 jours ou 5 jours, Seigneur, nous avons soif. Et d'ailleurs, ça nous fait du bien d'avoir des réunions tous les jours, nous. Nous l'avons déjà expérimenté, hein. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Bon, ceux qui n'ont pas le temps, ils peuvent rester chez eux. Ce n'est pas ça le problème. J'ai dit, mais ceux qui ont les désirs, alors à ce moment-là, nous nous rencontrons, nous nous trouvons. Et à genoux, effectivement, aussi, et nous demandons leur grâce. Ah, que ce sera beau. Si, si. Aïe, 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 aïe. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Bon, Matthieu 24 ans. Verset 31, il dit, il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous donc par une comparaison tirée donc du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, donc à la porte. Je vous l'ai dit donc, en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Nous voulons te dire merci, toi le glorieux Seigneur Jésus. Louange à toi et tu nous as vraiment satisfait que le ciel et la terre passeront. C'est vrai,
mais tes paroles ne passeront jamais. Merci pour cette consolation que tu nous donnes, Seigneur, que ta parole à toi qui nous fortifie encore davantage. Nous sommes vraiment encouragés, Seigneur, et fortifiés, et surtout rassurés lorsque tu les déclares. Merci de nous avoir donné la parole, Seigneur. Que ton nom soit béni encore ce soir, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Quel bonheur de pouvoir réellement avoir ce sauveur. Vous pouvez vous asseoir. De pouvoir avoir ce sauveur, effectivement, et qui nous rassure, effectivement, et dont les paroles sont véritablement vraies, parce que lorsqu'il annonce les choses comme il les a annoncées ici, nous savons certainement que cela va vraiment s'accomplir comme il a dit. Et puis, il met un cachet, il a dit que les cieux de la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Nous avons vraiment confiance en lui et aussi foi dans chaque parole qu'il a eu à pouvoir déclarer, même si nous n'arrivons pas à pouvoir bien saisir la chose. Mais ce n'est pas une raison pour moi de douter, en fait, de la véracité, donc de la réalité, effectivement, de la parole de Dieu. Nous sommes, comme la Bible le dit, effectivement, son ouvrage. Et ayant été formé, effectivement, en Christ notre Seigneur, et que nous avons réellement aussi réalisé, en réalité, que c'est Jésus-Christ notre Seigneur est venu pour pouvoir aussi démontrer et certifier que ce que la parole de Dieu dit est vraiment la vérité. Parce qu'il a dit lui-même qu'il est donc sorti de Dieu et qu'il retourne donc à Dieu. Il nous a montré qu'effectivement, que lorsque un être humain croit réellement la parole de Dieu, alors effectivement, cette parole va avoir son accomplissement aussi dans cette personne. Et c'est ça qui me touche aussi, hein, frères et sœurs, c'est que nous venons de l'islam. C'est souvent quand l'écriture était vraiment coincée, comme notre frère Zachia a lu dans le psaume 149, le psaume 145, pardon, et le psaume, effectivement, et aussi on peut voir d'autres psaumes, effectivement, et cette parole était vraiment là, dans les psaumes, que parfois personne ne pouvait pas faire attention. Et vous remarquerez très bien que si c'est David qui l'a dit, hein, dit, tu ne permettras point que ton sein voie la corruption. Et quand il est né, il est venu sur la terre, il a vécu comme un homme, il avait confiance et foi dans cette écriture-là. Parce qu'il a dit que détruisez ce temple, je le rebâtirai. Donc il devait avoir une assurance, quelque part, effectivement, que l'écriture qui a été déclarée, que c'est sûr et certain, ça me concerne et je la crois. Et si même je serais mort, je reviendrai donc à la vie. Et voilà que cette nature, effectivement, on le trouve effectivement dans tous ceux auxquels le Seigneur s'est adressé, qui s'est donc manifesté, et qu'il y a pouvoir, ces personnes qui vont avoir une expérience réelle et véritable, effectivement, d'abord, de l'existence de ces dieux vivants. Parce qu'on nous dit que il est impossible d'être agréable à Dieu, en fait, sans la foi. Car il faut qu'on croit que Dieu existe. N'est-ce pas vrai? Si déjà tu n'as pas l'assurance que Dieu existe, c'est difficile d'avoir confiance en lui. Abraham a eu la grâce de pouvoir entendre Dieu qui lui a parlé. Donc, pour Abraham, Dieu n'était pas un être abstrait. C'est ça, hein? Donc c'est Dieu était réel parce que il a entendu parler. Donc il lui a adressé la parole de Dieu. Quitte ton père et ta mère et ta patrie. Donc va-t'en dans le pays que moi, l'Éternel, mon ton Dieu, je te montrerai. Et puis il a conversé avec Dieu. C'est ce que Dieu aime aussi. Et Dieu te bénisse, ma précieuse sœur. Parce que Dieu aime qu'on converse avec lui. Dans les jardins d'Éden, il nous a montré cela. Il descendait le soir, pas pour que Adam soit muet. Mais parler avec Adam. Il a même dit de donner de nos animaux, effectivement, ainsi de suite. Et après, Adam parlait, parce que vous vous souvenez quand même, lorsqu'il a eu ours et ses os, chat de sa chair, il a beaucoup parlé. C'est la vérité, c'est ça. Donc, on remarque effectivement que l'existence de Dieu est toujours témoignée. Dieu a toujours voulu manifester et témoigner son existence. Pour le croyant, bien sûr. Parce qu'on ne peut pas croire à quelque chose dont on n'est pas sûr.
parce que Dieu n'a jamais demandé que oh, tout le monde va croire comme ça. Non. Il faut qu'il y ait quelque chose, effectivement, qui dit non, il est réel. Il vit, alors mon cœur s'accroche à lui, effectivement, aussi. Donc, tout un chacun de nous, en fait, pour que nous soyons croyants, il faut qu'il y ait quelque chose qui te prouve que Dieu existe. C'est sûr et certain. Sinon, tu as un problème. Parce que c'est comme on définit la foi, effectivement, nous l'avons souvent défini ici, effectivement, on a dit, effectivement, notre épée a dit que la foi est une ferme assurance, des choses comme ça. Donc, en parlant de cela, on va dire, effectivement, que donc, tous ceux qui ont eu la grâce de pouvoir avoir une expérience qui a démontré l'existence de ces dieux, effectivement, dans leur vie, la présence de Dieu dans leur vie, ils avaient confiance en ces dieux. C'est pour ça que quand Dieu parla à Abraham, il dit, Sarah te donnera un fils. Abraham a cru. Amen. Et l'enfant est né. Amen. Et Dieu vient lui dire. Amen, amen. Parce qu'il a dit qu'un Isaac sera nommé pour toi une postérité. N'est-ce pas vrai? Amen. Et Dieu vient lui dire encore, mais donne-moi cet enfant sacrifié, coupe la tête comme on coupe la tête d'un agneau. Il est parti avec. Ah, j'aime ces entrées. Voyez, frères et sœurs, c'est lorsqu'on le connaît, on a confiance dans tout ce qu'il dit, en fait. Et c'est 100% vrai. Parce que, si vous remarquez très bien, dans Genèse chapitre 22, je pense à cela, quand le Seigneur est venu pour reprendre, pour dire à Abraham, prends ton fils, il faut toujours prêter attention, hein? Prends ton fils, il dit, viens me l'offrir. Il n'a pas dit que après, je vais le ressusciter ou je vais faire... Non. Il a dit à Abraham, un homme comme vous et moi, il dit, toi, tu prends ton fils là, et puis insiste, il vous dit, mais c'est lui que tu aimes tant. Il savait. Il a prononcé les paroles là pour que vraiment que le cœur de l'homme en s'adresse. Il dit, parce que pour voir encore, il dit, c'est lui que tu aimes. Et puis, il se dit, ton unique là, c'est lui que tu aimes là. Viens donc me l'offrir sur l'une des montagnes que je te montrerai. Vous voyez, frères et sœurs, nous avons encore une marche. C'est comme ça que Abraham s'éleva de bon matin et scella son âne. Il prit donc ses serviteurs. Mettez-vous à la place de cet homme, effectivement, un homme qui il n'a rien entendu d'autre, effectivement, je dis, viens me l'offrir. C'est ça aussi avec nous, en fait, et ce sera comme ça, l'épreuve de notre foi. Dieu doit toujours éprouver ta foi à toi. Pour savoir si toi, tu as vraiment confiance en lui, que tu as vraiment foi en lui, que tu es sûr et certain qu'il existe et qu'il a la capacité de pouvoir te donner ce qu'il t'a promis. Notre grand problème à nous, effectivement, nous le disons toujours des croyants, en fait, mais en fait, nous sommes vacillants. Nous ne sommes pas toujours certains. Nous disons, Jésus-Christ est tout puissant, alléluia, Dieu est bon, la parole de Dieu, mais nous ne sommes toujours pas certains. Il n'y a vraiment pas, parce qu'il n'y a pas ce que la Bible déclare comme étant une ferme assurance. C'est pitoyable pour nous. Et Dieu te bénisse, mon père. Pitoyable, mon frère et ma soeur, parce que c'est comme si nous perdons du temps, en fait. Parce qu'au devant de nous, la surprise sera tellement grande. On a l'impression que c'est un jeu. Non, il y a des hommes et des femmes qui ont donné leur sang, leur vie pour ces écritures. Que vous prenez à la légère ici. Parce que pour eux, ça valait plus que leur vie. Ils ont accepté d'être sciés pour ne pas renier l'écriture. Regardez-nous, frères et sœurs. C'est plus qu'il y a un petit vent qui passe effectivement comme ça dans notre marche, dans notre vie, effectivement, on est à plat. La
alors les vents et les problèmes deviennent tellement si grands qu'on trouve que Dieu est tellement si petit. C'est ça la différence. Problème grand. Dieu est souvent là petit. Et si on faisait l'inverse? C'est comme ça que nous sommes appelés. Parce que vous vous rendez compte qu'effectivement, si tout le temps les programmes, le problème est toujours plus grand et que Dieu est plus petit, à quoi vous servez? Parce qu'en fait, c'est Dieu, pour vous, il n'est pas Dieu, en fait, il ne sert pas. Parce que c'est surtout là, chose que vous voyez. Mais, quand Dieu dit donc à Abraham, il dit, prends ton fils là, ton Isaac là, que tu aimes tant, ton unique là, prends-le et viens me l'offrir. Vous savez, c'est souvent, nous l'entendons si souvent, si régulièrement, ben, comme j'ai dit, souvent ça devient peut-être un peu des habitudes, en fait aussi, là, parce que là, on connaît. Mais mettez-vous maintenant dans la chose. Cet homme a attendu pendant 25 ans. Ah bon, quelle patience, hein? Quand Dieu lui a fait la promesse en disant, je reviendrai à cette époque de toi et Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Vous tous et moi, si compris, nous serons tellement si pressés que la chose est basse. On est toujours pressés. On a prié pour toi. Toujours pressés quand tu devais seulement voir que le lendemain, ah bah oui, la chose est là. Mais ce que tu n'as pas remarqué, que dès le moment où on a prié pour toi, tout était réglé déjà. Et Dieu te bénisse, mon président. Ce que vous n'avez pas l'impression, il faut connaître Dieu en fait. Il est tellement bon, tellement merveilleux, tellement sage et tellement patient. Mais il est Dieu. Il peut aussi prendre, tu vois, par exemple, quand tu prends la semence, ça c'est bon, prenez l'orange ou bien le maïs, vous le mettez à la terre, pas directement, ça pousse. Il peut faire ça comme ça. Parce que c'est impossible. Je vais vous le prouver que c'est pas impossible. Et Dieu peut le faire. Vous vous souvenez, la vache d'Aaron. La vache d'Aaron. Il n'avait même pas de racines. On l'a placé là, en une nuit, et il a poussé des bourgeons et des fruits. Donc il peut le faire. Tu mets papa, puis le maïs, c'est gardé. Frère, Dieu est Dieu, mon frère. Mais il nous instruit. Donc quand tu mets la semence et la patience. Lorsque tu mets la terre, effectivement, il nous instruit, mon frère en sœur. Tu ne viens pas là, les langues de me dire pou, 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 mais toi, pousse. Non. Le fait que tu as mis la semence dans la terre, sois tranquille. Son travail s'est fait à l'intérieur. Tu n'as pas besoin de voir. Toi, tu sais que j'ai semé là. Je vais partir. Quand je reviendrai, je verrai les maïs. Est-ce que nous sommes, non? Voilà. C'est aussi avec la foi quand on a prié pour toi. Parce que toi, un fils de Dieu, quand tu viens, tu demandes, vraiment, prie pour moi, je ne sais pas bien. Non, non, non. Sache que tu viens avec la foi, tu crois que quand on va le faire, c'est notre foi qui triomphe de ce monde. C'est ta foi, toi, qui met Satan en défaite. C'est 100% vrai, mon frère. Satan ne peut pas t'abattre, mon frère et ma soeur. Même si le problème est tellement si grand, toi, tu as une arme aussi puissante. C'est que mon Dieu est capable. Je ne veux pas regarder à ça. Je regarde à ce que lui, il est. Oh, tu ne peux pas avoir des enfants. Non, il a dit. Alléluia! Que je serai féconde et je dois être féconde. J'aurai des enfants. Madame, ce n'est pas possible. Pour Dieu, tout est possible. C'est cette foi-là que toi, tu dois avoir. Dans tous les domaines. Et puis, on nous dit qu'il a dit lui-même, hein, mon juste vivra par la foi. C'est par ces moyens-là que Dieu pourvoit pour toi. J'aime bien ce que le Seigneur notre Dieu dit. Vous venez, et ça c'est une grande consolation. Il dit ceci, mais il dit, ne vous inquiétez. Ah.
Alors ça, si ça venait de moi, vous devez m'inquiéter, vous inquiétez. Mais quand ça vient de lui, c'est ça le problème. Ça, c'est, vous savez, ça, c'est dit, j'aurais pu nous voir tous en fait sauter. Enfin, non, je dis non, non, non. Non, vous savez, c'est la manière dont on reçoit la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu vient pour te délivrer aussi. Bon, nous voulons les lire quand même, parce qu'on peut être. Parce qu'à ce moment-là, je crois que le cœur va se libérer. C'est la parole qui délivre, non? Matthieu chapitre 6. Hein? Matthieu chapitre 6. Hein? Verset 25. Bon, peut-être verset 24. Bon, mais attends, verset 25. Bon, c'est verset 25. Bon, c'est le Seigneur qui dit, hein? Ok. On a envie de partir loin, de lire beaucoup. Vous comprenez, non? C'est toujours bon de lire beaucoup. Hein? Alors, nous lisons. Bon, j'ai lu 24. Hein? Nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Vous vous souvenez, nous avons eu à pouvoir les lire aussi une fois ici. Hein? C'est pourquoi je vous dis, pas moi, mais c'est le Seigneur lui-même. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtu. Ce sont les préoccupations quand même de quelqu'un, de chaque personne. Sur la terre. Qu'est-ce que je vais manger? Pour les vêtements? Comment je vais arriver à pouvoir faire telle chose? Et puis continuer, il dit, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et les corps plus que le vêtement? C'est vrai, quand même, Dieu est sage dans ma façon de nous parler, quand on réfléchit vraiment beaucoup. La nourriture ne sert que quand je suis vivant. Vous méprisez la chose principale, vous considérez la chose secondaire. La nourriture, oh la nourriture, mais en fait, bon, si vous n'avez pas, si vous perdez la vie aujourd'hui, vous pouvez même avoir la nourriture un peu à la maison. C'est ça. Puis, il dit ceci. Le corps est plus que vêtements, n'est-ce pas, hein? Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Vous vous souvenez, non? J'ai toujours dit, j'aime bien la parole de Dieu. Il n'a pas dit votre Dieu. Hein? Non, 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 il dit votre Père. Céleste, en fait. Il le nourrit, en fait. Vous vous rendez compte, quand je lis toujours ça, j'ai toujours dit, vous vous rendez compte, il est notre Père, il est ton Père. Et il prend soin de nourrir les oiseaux. Et toi, tu es fils. Et toi, tu es fille. Vous voyez les niveaux, en fait, les degrés qu'il veut nous placer pour que nous puissions comprendre, effectivement, ce qu'il veut dire. Alors, il continue ici, il nous dit, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? C'est la vérité, non? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Les inquiétudes, ça fait c'est la part des hommes sur la terre. Vous y êtes aussi, nous sommes dedans. Pas dire que c'est pas vrai, c'est ce qui se passe. Quand il y a un problème, quand situation, on s'inquiète comment on va résoudre la situation, c'est vrai. Mais ce qui est extraordinaire, c'est ce que le Seigneur nous dit à nous. Pas quelqu'un, pas un homme, mais Dieu lui-même nous dit.
Il dit, mais qui donc, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Tu peux ajouter une coudée, c'est ça la coudée. La coudée, c'est ça qu'on parle coudée, c'est ça la coudée. Cette distance-là, à la durée de sa vie, ta vie à toi, tu as ajouté, tu ne peux pas le faire. Alors il continue à nous dire, et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe du champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Donc, toi mon frère, toi ma sœur, dans ce monde dans lequel tu te trouves, tu ne peux pas manquer de vêtements en tant que fils et fille de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que même pour tes propres vêtements, Dieu te fait savoir qu'il est au courant. Donc, enfant, ne faites pas souffrir votre papa et votre maman. Je veux. Dieu sait ce que tu veux. Pour autant que toi, tu aimes Dieu aussi. Donc, Dieu notre Seigneur, c'est ça que nous devons apprendre à nos enfants, à nos petits-enfants. Que tout ce que tu peux désirer, Dieu est capable de pouvoir te le donner. Mais Dieu te donne des choses qui doivent te maintenir dans la position où toi, tu dois le reconnaître et le remercier. Vous vous souvenez, parce que ça a marqué mon fils toute sa vie entière, même dans son âge avancé. Il dit, mais papa, c'est quand même pas possible que tu puisses arriver. Oui, je l'ai pris un jour, je vous l'ai déjà raconté ici. Et il devait avoir, je sais pas, 7 ans, je sais pas moi combien, sa maman sait. Et j'étais parti en voyage missionnaire, on m'a dit, revenu. Oui, Jacob n'a pas voulu aller à l'assemblée. Et parce qu'il disait qu'il était fatigué. Alors je l'ai fait venir. Je l'ai mis devant la porte. J'ai dit, dans cette maison ici où tu vis, et il dit ça, je lui dis ça. Je lui dis, cette maison aussi où tu vis ici, ici on sert Dieu. Si toi, tu ne trouves pas bon de servir Dieu, il devait avoir 7 ans, je pense, non? Quelque chose comme ça. Il a oublié, c'était, il était tout petit. Hein? Bon, sa grand-mère était encore là, habitait un peu plus bas. Je lui ai dit une chose, vous me suivez, mais ça. Si toi, tu trouves que Dieu ne t'arrange pas, je lui ai dit, hein, sa maman elle a pesé. Si toi tu trouves que Dieu ne t'arrange pas ici chez moi, j'ouvre la porte. Ta grand-mère, elle habite plus bas là-bas. Si tu vas l'habiter avec ta grand-mère, tu pars. La police était juste à côté là. Il dit, si tu vas là, la police, voilà, mon papa m'a chassé, il ne va plus gêner, voilà, dit, tu peux aller. Et moi ici, je ne te suivrai jamais. Parce que dans cette maison ici, si je mange, c'est Dieu. Si j'ai même cet endroit où je vis, c'est Dieu. Et c'est ce Dieu-là pourvoit dans toutes choses. Et quand même je peux t'habiller, c'est Dieu. Donc tout ce que j'ai, c'est Dieu. Alors c'est Dieu-là que moi j'essaie. Moi je veux aussi que tous ceux qui sont dans la maison ici puissent les servir. Alors maintenant, tu fais ton choix. Ce soit Dieu et tu restes. Ou tu ne fais pas de mon Dieu que je sers, ou tu sors. Ce que moi je vous apporte ici comme parole de Dieu, je l'ai fait aussi dans ma propre vie. Bah, c'est pas que je suis quelqu'un qui dit non, je sais ce que c'est. Oui, avec les enfants.
Évidemment, je lui ai donné le choix de pouvoir prendre le choix. Parce qu'avec vos enfants, quand on fait une remarque à vos enfants, vous commencez à gonfler et vous savez, vous ne pouvez pas parler avec la sœur. Non, c'est tout à fait. Quand ton enfant agit mal, il faut qu'on aide. On doit reprendre l'enfant. C'est mauvais quand vous commencez à vous fâcher contre une sœur parce qu'elle a crié sur l'enfant ou lui tirer peut-être les oreilles. L'enfant de ton enfant, toi, est aussi l'enfant du frère et de la sœur. Donc, s'il manque de respect, on corrige. Oh, il n'y a qu'à mes enfants. Oui, mais ces enfants-là sont aussi les nôtres. Amen. Bon, je n'ai pas dit que maintenant, venez avec la machette. Hein, pour que chaque fois, non, non. J'ai dit que vous comprenez la sagesse de pouvoir savoir arriver. Bon, et surtout ça, pourquoi je... Vos parents, je fais entre parenthèses, je reviens à ce que nous disons. Vos parents, il ne faut pas que vous ayez aussi les mauvais esprits. Et quand on parle, quand on fait des remarques avec vos enfants, vous avez un œil qui tourne, vous voyez comment la sœur le fait. Non. Non, mais ça détruit la communion. Montrez à l'enfant que tu as confiance à la sœur, que tu as confiance au frère, que quand il crie sur l'enfant, il ne vient pas dire, « Oh, il t'a fait ça. Oh, je vais lui montrer. S'il a fait ça à ma fille, à mon fils. » C'est qu'il veut dire, toi, tu es vraiment une païenne. Ou un païen. Non, un papa ou bien qui s'est réveillé, parce que je donne un exemple, je sais pas moi, j'en sais rien, ou la sœur Bambino, qui va tirer l'oreille, je sais pas moi de qui, j'ai encore un enfant, je ne sais pas, la sœur, notre sœur, et je trouve l'enfant pour que je ne pas, il faut que je trouve quand même quelqu'un qui va prendre un problème. Eh ben, l'enfant de notre sœur Edith, par exemple, prenant son nom, Joseph. Là, il prend Joseph, il dit, toi Joseph, je t'ai vu là-bas aller au carrefour pendant qu'elle arrive. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? C'est normal. Oui, parce que on est à l'assemblée, je donne un exemple. Il a tiré, il dit, non, je te vois encore dehors, toi, dis non, c'est encore le fouet, vite à l'assemblée, et assieds-toi. Et puis Joseph qui vient à côté de maman, maman qui dit, regarde, qu'est-ce qui se passe Joseph? C'est la sœur Bambino. Et puis, on m'a dit, ça, c'est un bambino, qu'est-ce que c'est un bambino? Il m'a tiré l'oreille, et puis, mais où est-ce que tu étais? Oh, parce que j'étais seulement, simplement le carrefour, Puis tu dis, c'est moi le carrefour, et pas te tirer les oreilles à toi, mon fils Joseph. Je crois pas que la sœur dit pour agir comme ça. Elle dira, il t'a tiré l'oreille, mais c'est ta maman, elle a bien fait. Tu étais où? Au carrefour. Eh ben, c'est bien. Et si moi-même j'étais là, j'ai encore offert plus. Vous voyez? Donc la femme comprend, oh, maman, avec la maman, ils ont fait la même chose. Donc quand tu vas voir maman Bambino dehors, pourquoi? Parce que, non, nous devons être comme ça, frère et soeur. C'est comme ça qu'on arrive à pouvoir vraiment aussi agir aussi pour nos enfants. Que Dieu nous aide. Bon, nous revenons à cela. Donc, nous remarquons qu'effectivement, que dans cela, Abraham vint et il dit à ses serviteurs, sachant ce que Dieu lui avait dit, donc, effectivement, il dit à ses serviteurs, moi et l'enfant nous monterons. Et moi et l'enfant nous reviendrons. Ce qui est touchant dans cela, ce que vous le savez, mais ce qui est touchant, c'est de voir que Abraham est parti avec son enfant, il l'a vraiment lié et allongé. Cet homme, dans son fort intérieur, il avait le couteau, il avait le désir vraiment de tuer Isaac. Parce que Dieu lui a demandé de lui offrir Isaac, il avait le désir. C'est pour ça qu'il a pris le couteau. C'est pas parce que s'il n'était pas sincère, l'ange n'allait pas parler. Abraham a tiré les couteaux, effectivement, finalement, il a levé la main, effectivement, là, il allait vraiment enfoncer l'homme, l'enfant, effectivement, aussi, et il entend l'ange qui dit, arrête donc, Abraham. Je vois que tu as confiance en Dieu, tu crains Dieu. Et vous savez, ce que l'Écriture nous fait savoir, que Abraham, effectivement, il savait une chose. Que comme Dieu lui avait dit que en Isaac sera nommé pour toi une postérité, il savait, il avait l'assurance qu'il allait tuer Isaac. Oui, c'est écrit dans la Bible, dans Hébreu, qu'il allait tuer Isaac. Il savait qu'il allait tuer Isaac, mais une fois qu'Isaac aurait été tué, le sang aurait été giglé,
Dieu allait le ressusciter. Donc vous pouvez voir jusqu'à quel point la personne avait donc la foi que Dieu allait donc le ressusciter parce que Dieu devait tenir donc sa promesse. Vous voyez, les degrés de la foi que Dieu attend de tout un chacun de nous en tant que fils et fille de Dieu. Alors c'est là que le Seigneur nous fait part effectivement que les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et chaque fils et chaque fille de Dieu doit avoir en lui, effectivement, Dieu, cette assurance en rapport avec la parole de Dieu, que tout ce que Dieu a dit, peu m'importe, c'est sûr et certain que Dieu va l'accomplir. Et comme nous lisions dans le livre de Matthieu chapitre 6, parce que je dois gagner du temps aussi les deux, il faut remarquer que Dieu nous fait savoir que même pour vos vêtements, il sait. C'est comme ça que nous disons tout à l'heure qu'il faut éduquer vos enfants d'avoir confiance en ces dieux. Que ce que vos enfants voudront avoir, Dieu leur accordera. Parce qu'ils ont la grâce d'avoir le Dieu vivant. La parole de Dieu est vraie. Et puis, il continue dans cette écriture que nous lisions, effectivement, nous reviendrons aussi dans Matthieu, rapidement aussi, parce que les temps ont fait vite aussi. Regardez très bien, verset 30, nous lisons cela, n'est-ce pas? Si Dieu révèle ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera donc jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Vous entendez? Il dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Verset 32, car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Alors, vous remarquez la manière dont le Seigneur nous parle de cela en fait en réalité. D'abord, il nous a parlé des gens de peu de foi. Et puis Dieu en connaît toutes ces choses-là, ce sont les païens qui le recherchent. J'espère que vous allez comprendre. Donc, les croyants qui ont la foi en Dieu n'ont pas la préoccupation de savoir qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais boire, et comment je serai vêtu, et comment je serai... C'est vrai, frères et sœurs. C'est pour ça que même, je donne un exemple, je ne sais pas, faut comprendre, quand il y a un mariage, ou quand il ne faut pas, ah, qu'est-ce que je vais marier, qu'est-ce que je vais m'habiller. Mais non. Nos sangs, ce sont les gens du monde. Oh, ah là là là, j'aime travailler, quelle robe je vais trouver, quelle robe, je vais trouver quelque chose qui est, ah, c'est tout quelque chose que je n'ai jamais porté. Mais mon frère et ma soeur, Seigneur mon Dieu. Bon, ça va, mais je crois que vous comprenez, hein. C'est pas, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas acheter des robes, hein. Non, allez acheter des robes. Mais sachez qui vous êtes. Parce que la préoccupation, j'ai dit, même si c'est... Mais quel est le problème? Bon, moi, je viens devant vous ici, j'ai dit, vous voyez mes costumes, non? Vous dites, ah, il est un homme. Bon, mais en fait, c'est pas grave. Bon, pas grave. Vous êtes des femmes, là. Je vous comprends. Parce que si moi, je rentre dedans, ça va être autre chose. C'est ça, il dit que c'est quelque chose que personne n'a jamais vu. Moi, j'ai dit, maman, comment je vais faire, moi? Parce que moi, on a tout vu. Mais je suis toujours là, non? C'est pour que nous puissions comprendre qu'il ne faut pas qu'on tombe dans la phobie. Et c'est que on doit être propre, trouver. Vous pouvez acheter des robes, c'est pas que Dieu vous interdit cela, mais simplement que vous puissiez savoir qui vous êtes, effectivement, que soyez pas, vous n'avez pas de moyens, il faut, bon, prête-moi encore ceci pour aller acheter ceci. Non, ce que tu as, et puis bon, Dieu a un magasin pour vous, hein. Vous savez, hein. Vous n'avez pas à vous tracasser, vous allez là-bas, ils ont acheté à 2 000 euros, et pour toi, hein. Et puis ces jours-là, il te dit, lève-toi, va là-bas, tu vas, tiens, tiens, pas boum, ah, ça tombe. Vous entendez? Et ceux qui disent amen, ils savent ce que c'est. Amen. Donc, il n'y a pas à se tracasser parce que Dieu nous vêtit. Il pourvoit pour nous la nourriture et tout ça. Et cela ne veut pas dire qu'il faut rester chômeur. Hein.
Bon, je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est moi si je rentre dedans. Bon, il dit, verset 32, il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Ce n'est pas moi qui dis, hein. Il faut reconnaître que quand Dieu dit la vérité, non? Il dit, votre Père céleste, maintenant écoutez très bien, sait que vous en avez besoin. Il sait que tu as besoin d'une robe. Amen. Il sait que ce jour-là, tu auras un mariage. Il sait tout ça. Vraiment. C'est vrai. Amen. Oui. Il y en a une soeur bien qui dit, madame, je voulais avoir une robe, mais je ne savais pas comment faire. Puis je passais comme ça, paf, boum, pas de maintien, coup, oh, parti d'un coup. Ça, mais ça coûte combien? 5,5 €? C'est vrai ou pas? Ben oui. 5 €! Tu essayes comme ça. Et quand tu vas même dans la fête, on dit, oh, comme une princesse. Pourquoi? Mais c'est ton père qui a eu à pouvoir faire en sorte que c'est une robe qui a coûté 3 000 €. Mais la personne dit, oh, je sens que c'est devenu grand pour moi parce que maintenant, comme j'ai maigri, j'ai fait régime. Bon, je ne peux plus garder, pas fumer là. C'est pourquoi qu'il a mis là-bas. C'est pour toi qu'il a mis là-bas. 5 €. Alors, n'ayez pas honte d'acheter pour 5 €. C'est pas un problème. Que Dieu soit béni. Amen. Alors il dit, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Alors on nous dit ici, voilà les conseils, cherchez premièrement les vêtements, la nourriture, les mesures. Attends, non? Cherchez premièrement quoi? Voyons. Et la justice de Dieu. Et c'est ça, mon frère et ma soeur, ce que nous, nous croyons par cela. On s'est dans la grâce, non, Dieu te donne des bons conseils. Cherche au premier mois le royaume et la justice de Dieu. Et regarde maintenant la bénédiction que ça devient. Et toutes ces choses-là vous seront données. Tu cherchais une robe, tu en as 3. Tu cherchais une paire de chaussures, tu en as 5. Donc tout ça, c'est vrai, frère et soeur. Donc quand toi, tu t'occupes des choses de Dieu, de tout ton cœur, Dieu s'occupe de toi, de tes affaires, de tout ça. Toi, occupe-toi seulement de ce que Dieu dit de toi. Tu verras comment Dieu va prendre soin de toi. Quand Abraham s'est occupé de ce que Dieu lui a dit, il a obéi simplement là-dedans. Il voulait enfoncer le couteau. Là, je lui dis, arrête! Maintenant, regarde, Abraham, ce que je veux faire pour toi. Vous voyez la postérité d'Abraham, comme les étoiles du ciel. Et puis, nous continuons pour que nous puissions parler d'Ivénim. Il dit donc, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Ce n'est pas moi qui dis, c'est toujours le Seigneur. Il dit, car le lendemain aura soin de lui-même et à chaque jour suffit. Si nous pouvons méditer cela, mon frère et ma soeur, bien-aimés frères et sœurs en Christ, si nous pouvons méditer cela, si nous nous occupons vraiment de Dieu, alors nos factures, oui, mon frère et ma sœur, toi qui es un enfant de Dieu, qui a la foi en ton Dieu, faut pas que tu te grattes la tête, comment je vais faire, comment je vais rassembler l'argent pour payer ceci. Non, toi occupe-toi simplement de faire ce que Dieu demande. Le royaume est là. Sois juste, aime le peuple de Dieu, sois vraiment ce qu'ils ont. Prie simplement Dieu et cherche la foi de Dieu. Agis comme Dieu te demande de faire. L'obéissance et la foi dans la parole de Dieu. Dieu va s'occuper de toi dans tout le moindre détail. Vous voulez des enfants? Faites ce que Dieu vous demande. Vous voulez de l'argent? Faites ce. C'est pour ça que, vous savez, je vais être court parce qu'on va prier. Je prie pour que Dieu nous aide. Frères et sœurs, qu'il aide chacun de nous. Pourquoi les choses n'avancent pas avec nous? Parce que nous sommes incrédules aux choses de Dieu. Nous ne devons pas avoir des problèmes. Les épreuves, nous devons y avoir, mais quand il y a des situations, par exemple, qu'on a des situations qui arrivent dans toi, Dieu solutionne toujours nos problèmes. Pourquoi on n'a pas de solution? Parce qu'on n'est pas en communion avec Dieu. Notre problème, c'est manque de foi à l'endroit du Seigneur.
le travail, même si dans ces pays-ci, on dit qu'il y a des chômeurs, il ne peut pas y avoir de travail, toi, tu dois trouver du travail. Si tu ne l'as pas, c'est parce que tu ne le veux pas. Oh frère, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Est-ce que vraiment tu veux travailler? Parce que si tu veux travailler, tu vas avoir du travail. Amen. Dieu ne peut pas te refuser quelque chose. Quand nous lui demandons vraiment de la bonne manière et de tout notre cœur, alors Dieu pourvoit. Donc désormais, les saintes écritures disent, ne vous inquiétez donc de rien. Nos lendemains, à partir de demain, même pas demain, aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Donc là, aujourd'hui, plus de soucis. Mon problème en moi, je dois me soucier de Dieu. Je sais que le fatigue doit venir, mais mes genoux ici. Seigneur, c'est vers toi que je regarde. Dis-moi ce que je dois faire. Comment je m'inquiète pour tel frère, pour tel don. Nous prions les uns pour les autres. Dieu s'occupera de nos problèmes. Frères et sœurs, arrêtons de murmurer. Arrêtons de dire, ça ne va pas. On demande, frère, ça ne va pas. Ça va. Oh, ça ne va pas. Frères et sœurs, ça c'est triste. Ça ne peut pas ne pas aller. Ça doit aller. Pour un enfant de Dieu, tout va très bien. Même s'il y a un problème à la maison, tout va bien. Pourquoi tu dis tout va bien? Parce que je sais que Dieu existe. La tsunami, t'a perdu son enfant, elle était morte. Son mari, il regarde là, il prend l'enfant, il dit, mais où vas-tu? Il dit, mais est-ce qu'il y a un problème? Il dit, non, mon mari. Mais pourquoi mon mari? Il dit, non, non, tout va très bien. Mais l'enfant était mort. Pourquoi tout va très bien? Il dit, mais l'enfant est mort. Il dit, mais non, mon mari, il dit, tout va très bien. Il m'a pas dit, hey, le bébé, l'enfant est décédé. Non, 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 non. Il a laissé l'enfant là dans la chambre, effectivement. Alléluia. Et s'est mis debout. Il dit, mais partons. Il dit, mais tu vas où? Je vais voir l'homme de Dieu. Est-ce qu'il y a un problème? Il dit, non. Alléluia. Tout va très bien. Alléluia. Dès aujourd'hui, tout va très bien. Parce que Jésus est vivant. Et il est vivant. Il agira. Il le donnera. Il délivrera. Il guérira. Tout va très bien. Gloire au Seigneur. Alléluia. Lève-nous, mon frère. Tendre Père précieux, Sauveur. Nous voulons te dire merci pour ce que tu es. Pour ce que tu fais, tu l'as dit, c'est notre foi qui triomphe de ce monde, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et nous avons la victoire. Nous ne voulons pas être comme des concombres, des gens qui n'ont pas foi. Seigneur Jésus, oh Dieu, nous te louons parce que nous savons que tu es capable, tu as la capacité de pouvoir agir, mon Sauveur. Aide-nous, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et soutiens ton peuple encore aujourd'hui. Et nous voulons encore que tu nous aides encore. Et comme nous l'avons entendu aussi dès ce soir, nous ne nous inquiéterons plus de rien, Sauveur. Parle-nous encore, parce que souvent nous sommes inquiétés, nous posons des questions, comment ceci pouvait aller. Nous avons oublié de pouvoir réellement nous donner à toi. Or, quand on se donne à toi, tu as dit, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Gloire à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin, Seigneur. Tu prends soin des oiseaux. On le voit, mon Sauveur béni. Tu prends soin des oiseaux. Ils ne peuvent pas, Père Dieu, faire des champs, Père Dieu, ni des greniers, Père Dieu, Père Dieu. Non, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Et c'est toi qui les nourris, Père Saint-Dieu. Tu fais ce qu'il faut pour qu'ils soient vivants, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu as dit, ne valez-vous pas plus que mon Sauveur. C'est pourquoi je reviens encore à toi. Pardon, mon bien-aimé Seigneur Jésus, oh Dieu. Pardon encore, mon roi. Nous voulons vraiment nous tenir encore dans l'obéissance de ta parole. Viens-nous en aide, mon bien-aimé Père. C'est vrai, c'est vrai. Nous voulons vraiment oublier ce qui est en arrière. Mais vraiment attendre à ce qui est en avant. Je t'en supplie. Je te demande grâce, mon sauveur béni, au Père du Messie.
puissant, toutes ces inquiétudes, Père Saint-Dieu, oh Père du puissant, tout ce que, comme souci, mon bénévole Père du puissant, nous n'en voulons plus, mon bénévole Père Saint-Dieu, nous n'en voulons plus, mon roi, aide-nous encore, mon bénévole Père Saint-Dieu, nous voulons avoir nos yeux fixés sur toi, nous en donner vraiment un trésor merveilleux, c'est ta parole à toi, mon sauveur, nous voulons te chercher, nous voulons, Père du puissant, Dieu, te trouver, Seigneur, aide-nous, mon bénévole Père Saint-Dieu, que nous puissions vraiment avoir beaucoup de temps pour pouvoir prier, à lire ta parole à toi, bénévole Père du puissant, Dieu, à pouvoir être à ton service, mon roi, de la bonne manière, mon bien-aimé Seigneur, je dis, oh Dieu, le monde sans mère, mon bien-aimé Père Tissant, parce qu'ils n'ont pas Christ, mon bien-aimé Seigneur. Aide-nous encore, Père Tissant, Dieu, utilise-nous encore comme tu le veux, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, à cause de ton Saint-Nom. Bénis ton peuple, mon roi, fortifie-nous. Nous ressortons ici avec une foi en toi, avec un courage, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, sachant que nos lendemains seront tout à fait différents, mon sauveur. Béni soit ton Saint-Nom. Gloire et honneur à toi. Mon âme te loue. Mon âme t'exalte, mon âme. Glorifie ton Saint-Nom, mon roi. Tu es venu pour nous libérer, Père Saint-Dieu. Libérer les captifs, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Ôter le poids, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Oh, libérer, Père Saint-Dieu. De notre cœur, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Tout le souci, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Parce que tu as porté cela. Tu as porté cela, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Merci, Père Dieu. Tu as dit que la paix soit avec vous. Nous voulons recevoir cette paix, mon sauveur, pour mon frère et pour ma soeur, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, Seigneur Jésus. Oh Dieu, pour nos frères et sœurs, partout où ils sont, mon bien-aimé Père. Oui, nous croyons en toi, mon bien-aimé Père. Béni soit ton Saint-Nom. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour tes compassions. Réveille mon frère. Réveille ma soeur, mon bien-aimé Père Tissant, qu'il ne puisse pas rester sous le poids de fardeau, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous déchargerai de tous vos fardeaux, Seigneur. Que cela soit ôté dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur, dans le cœur de nos enfants, mon bien-aimé Père Tissant, parce que tu es le Dieu qui nous donne la paix, Seigneur. Oh, Père Tissant, qu'ils aient la paix dans leur cœur, mon roi, la foi de croire que tu es vivant, parce que tu vis, mon Jésus, mon sauveur, mon roi. Nous vivons également aussi et nous t'aimons, mon sauveur. Béni soit ton Saint-Nom. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Oui, nous t'aimons de tout notre cœur. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci. Béni soit ton Saint-Nom. Gloire à toi. Béni soit Dieu. Merci pour tout. Gloire te soit rendue. Merci. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous vivons partie de la famille de les héritiers du Père. Nous partageons nos joies, nos peines. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Oui, nous faisons partie de la famille des Dieu.
songe à la mort de Jésus, mon sauveur, ce qu'il a fait pour moi, oui, pour moi. Alors je vais chanter, alléluia, alléluia, merci pour Gogo. Ah oui, car je songe, songe à l'amour de Simon sauvé. Tout ce qu'il a fait pour moi, oui pour moi. Lors je vais chanter, alléluia, alléluia, merci.